porte je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jesus Christ, love you, my brother. Open your heart. Tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus Christ te ama. Purchase your tracks today. Open your heart. La foi fait des œuvres, la foi fait des exploits. Alors j'aimerais vous dire, tout est possible. Fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. J'aimerais simplement vous dire, vos rêves peuvent tous se réaliser si vous croyez. Et lorsqu'on nous a dit, si vous croyez, croire. Celui qui croit travaille, celui qui croit prie. Celui qui croit se sanctifie. Voyez, la vraie foi vous amène à des actions correspondantes à votre vision. Parce que beaucoup de gens prétendent croire et ne font rien. Mais la véritable foi, comme on dit, la foi sans les œuvres ne vaut rien. Quand vous avez la foi authentique déclenche l'énergie, la puissance de Dieu dans votre vie. Et
tout cela dans une seule vision, accomplir vos rêves. C'est possible que tu vives tes rêves. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, je vais vous présenter notre émission depuis la plage de la Guadeloupe. On est à la mer de la Caraïbe. Alors, nous allons parler d'un sujet qui est très important aujourd'hui. Comment réussir malgré l'adversité, malgré les complications. Mais avant cela, nous allons d'abord écouter un chant à la gloire de Dieu. Je sais qu'il agira. Oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois Dieu a agi pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Quand l'amour est plus fort que la mort, quand l'amour est plus puissant que le désir, on n'a pas besoin de le révéler. Il suffit d'un regard pour le voir. L'amour de Dieu, l'amour parfait. L'amour de Dieu, l'amour divin. L'amour de Dieu, l'amour éternel. L'amour de Dieu ne périt pas. Oh, aimer, aimer, c'est pardonner. Oh, aimer, aimer, c'est tout supporter. Oh, aimer, aimer, c'est croire à tout. Alléluia. Je vous salue et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis dans un beau cadre, un bel espace. Et quand je regarde, je me dis, il faut prendre le temps. Parfois, il faut, au milieu des situations, au milieu des circonstances, qu'elles soient favorables ou qu'elles ne le soient pas, il est bon, à un moment donné, de prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps de faire une introspection, rentrer en soi-même, faire le point. Faire le point sur où on en est avec Dieu. Combien nous ont précédés, hein, notamment, je peux citer Job, je peux citer Abraham, qui ont vécu des situations difficiles, des vents contraires. Peut-être que vous êtes concernés, vous passez un temps sombre, un temps d'incompréhension, un temps de confusion. Lorsque vous voyez ce genre d'événement arriver, remettez-vous à Dieu. Vous voyez, quand on se remet à Dieu, il prend tout contrôle. Cherchez à lui plaire, cherchez à lui être agréable. Il interviendra en votre faveur. Job est un homme qui a été agréable à Dieu. Dieu connaissait son cœur, voilà pourquoi Dieu a permis à Satan de toucher, certes, sa vie sans la prendre, sans la lui ôter. Et vous voyez, comme il est resté fidèle à Dieu, comme il est resté fidèle et intègre, Dieu lui a redonné tout ce qu'il avait perdu. Je crois que pour chacun de nous,
Dieu peut nous redonner tout ce que le diable nous a volé, tout ce que nous avons perdu, la joie, la paix, le succès, des relations. Dieu peut vous rendre au centuple. Seulement, accrochez-vous à lui. Tenez bon, tenez ferme dans sa parole, la vérité. Gardez confiance et il agira en votre faveur. C'est mon encouragement pour vous. Soyez bénis, tenez bon et tenez ferme. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Comme à Cadizotte, c'est un grand privilège pour moi de partager avec autres paroles à bon Dieu. En cas essayer, parler un petit peu créole et en cas faire tout ce que moi peux pour que tout le monde comprenne le message là. I'm very happy to share with you the word of God. I promise you, I will try to interpret for you something. I will try. Because I think that there is many people in the world. And when I preach in Teleanti, I believe that everybody and in TikTok and YouTube and Facebook, somebody, Englishman can follow me, you know. But I'm sorry for some grammatical error. If my English is not perfect, no problem. Soy contento de compartir con vosotros la palabra del Señor. Es un gran privilegio. Et yo va intentar de interpretar esta predicación en francés, en inglés, en lingala y en creole. Porque yo sabe que yo no puedo interpretar todos la predicación. Tú sabes, no tengo tiempo. Yo predico principalmente a los franceses. Okay. Espero que tú entiendes, pero yo voy a intentar interpretar un poquito para que tú sabes de qué yo hablo. Nazali ko kabula nabino kwanga ya nzambe. Yo ka ko peti, yo ka sozolate peti. Tokolia kwanga ya nzambe. Ya milikite, izali kwanga na kundulu. Bilieli ya kitoko, ya kitokos ya makazi. Me, nakuyuki kote ya lalingala tekwa. Paski na napoto, dongo sumo na batunye sobaso yu kangai, dongo ifo. Na interpretera randambu, pona oya zo komprende franse, ta komprende. Pour ne pas qu'il y ait pas congolais, mususu pas comprendre la français était na na porte de Bazali, Zamba Pambolabino. Voilà, j'essaie un peu de d'interpréter dans les cinq langues principales. Bon, je parle pas bien Chuluba, un petit peu, je comprends un peu Chuluba, Kikongo, Swahili. Voilà, les trois autres langues, je vais pas interpréter, ça deviendra trop compliqué pour moi. Alors, nous allons parler de la parole de Dieu. On va laisser le Saint-Esprit nous guider. Mais ce que je voulais dire, la prière doit être notre principale activité. Lorsque je regarde la vie de Jésus, l'activité principale de Jésus-Christ était la prière. Hein? La Bible dit qu'il passait toute la nuit à prier. Jésus ne se laissait pas trop envahir par les gens. Et pour prier, Jésus congédiait la foule. Il les renvoyait. Il s'isolait des disciples. Vous savez, ce que tue beaucoup de chrétiens et surtout beaucoup de serviteurs de Dieu, quand ils ont le succès, quand ils ont beaucoup de monde autour d'eux, c'est le manque de prière. Il se laisse parfois envahir. Voyez, le jour où je lis ce passage où Jésus a renvoyé la foule. Autrement dit, Jésus-Christ serait aujourd'hui, il y aura des jours où il va éteindre son portable pour passer le temps dans la prière. Et on perd notre spiritualité, notre intimité, lorsqu'on n'a plus de temps de prier. Le jeune ministre de Dieu, je vous parle tant que apôtre, ne laissez pas les gens envahir votre temps de prière. Et je connais des pasteurs, midi, réunion, 16h, réunion des anciens, 14h, réunion de ceci, le matin, réunion des mamans, des réunions partout, visites. En fin de compte, tu te rends compte que l'homme de Dieu n'a plus son intimité avec Dieu.
La prière, prier, c'est comprendre que je suis dépendant du Saint-Esprit. La première chose que vous devez comprendre, je suis dépendant du Saint-Esprit. Le jour où tu vas comprendre que tu es dépendant du Saint-Esprit et que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien, tu ne vaux rien, là, tu vas commencer à prier. Même la prédication que je vous donne là, elle peut être belle, mais si le Saint-Esprit ne l'accompagne pas par sa puissance, il n'y aura pas de résultat. Et ce qui illustre cela, c'est la pêche miraculeuse. L'apôtre Pierre a pêché toute la nuit, voyez, toute la nuit, il n'a eu aucun résultat. Mais sur la parole de Jésus, il est allé dans l'eau profonde, il a jeté les filets, il a eu plus qu'il ne l'espérait. Le filet a commencé à se déchirer. Je pense qu'il y a des gens qui sont chrétiens, des pasteurs, des hommes d'affaires, des femmes mariées, des hommes mariés. Votre couple ne marche pas, votre vie sentimentale est chaotique, ou votre ministère est bloqué, ou vos affaires ne tournent pas bien comme il faut. Vous avez essayé toute votre vie, ça ne marche pas. Mais essayez un peu avec la prière. Donnez la première place à la prière. Oh, mes amis, c'est un enseignement que je n'ai pas préparé, mais je me laisse conduire par l'esprit. Mais pendant que je vous parle, je reçois des flashs tellement beaucoup que j'ai du mal à les classer. La première chose, la prière, c'est l'expression, la reconnaissance de notre dépendance à Dieu. Voilà, voyez. Donc, je sais que même pour aimer, j'ai besoin de Dieu. Est-ce que je mens? Croyez-moi, il y a des gens pour les aimer. Quand Jésus a dit « aimez vos ennemis », priez pour vos ennemis. Mais humainement, c'est impossible. Humainement, quelqu'un qui insulte ta mère, qui est ton ennemi, tu vas l'aimer comment? Mais quand il nous le demande, parce qu'il sait que nous avons le Saint-Esprit, mais aux gens de l'Ancien Testament, il n'a pas demandé ça. Hein? La Bible dit, tu haïras tes ennemis, œil pour œil, dent pour dent. Vous allez voir certains psaumes où David est en train de maudire ses ennemis et demander leur mort. Mais malheureusement, cette doctrine-là que mes frères pasteurs africains et maintenant véhiculent, retour à l'expéditaire, cette doctrine est anti-biblique. Je le répète, la doctrine des retours à l'expéditaire, c'est diabolique, c'est anti-biblique. Parce que la Bible dit, tu ne rendras pas le mal pour le mal. Retour à l'expéditaire veut dire quelqu'un m'envoie une malédiction, je lui renvoie sa malédiction. Ce n'est pas biblique. Bénissez et ne maudissez pas. Malheureusement, nous avons des chrétiens qui n'ont pas de base biblique. Des chrétiens qui sont plus de fanatiques, des pasteurs, des églises, que des disciples de Jésus. Je viens grand homme de Dieu, un grand homme de Dieu selon ce monde, très connu, très populaire, très respecté, faire prier une ensemble de 5000 personnes comme des perroquets, répéter, tous ceux qui font ça, je leur envoie, tous ceux qui veulent ma mort, ils vont mourir. Les gens répètent tout ça, mais c'est dit, mais voilà une foule bornée et sans intelligence. C'est terrible. Et un autre jour encore, je l'ai entendu en train de dire, c'est que je m'amuse avec mes filles, qu'ils meurent, c'est qu'ils s'amusent avec mes filles, je les maudis. Nous ne sommes pas appelés à maudire, à part ceux qui blasphèment. Et ce n'est pas nous qui maudissons quand quelqu'un blasphème, mais nous répétons, il y a une différence entre maudire quelqu'un et répéter la sentence du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire, il y a une différence entre maudire quelqu'un et répéter la sentence du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre n'a pas maudit Ananias et Saphira. Il a simplement prophétisé, il a simplement répété ce que le Saint-Esprit avait décidé de faire. Voyez. C'est comme si je rencontre quelqu'un qui se moque de Dieu et je lui dis, toi, tu mourras cette année. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai dit ce que l'Esprit me montre. Voyez, l'Esprit le châtie. Donc,
maudire quelqu'un, c'est souhaiter du mal à quelqu'un. Mais quand je prophétise, je répète le châtiment de Dieu sur quelqu'un, je n'ai pas maudit, j'ai répété simplement ce que Dieu a décidé. Vous voyez la différence, parce que les gens mélangent tout. L'apôtre Paul a livré Alexandre et Hyménée afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Donc, aimer, parfois, sans le Saint-Esprit, croyez-moi, c'est pratiquement de l'impossible. Il y a des gens qui ont l'art de vous blesser. Pardonner, c'est pareil. Pardonner et aimer vont de pair. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans le Saint-Esprit. Même prier, vivre la vraie sainteté sans le Saint-Esprit, eh bien, vous ne pourrez pas. Voilà pourquoi on a des gens frustrés. Voilà pourquoi on a des gens frustrés. Parce qu'il y a la sainteté superficielle et il y a la sainteté en profondeur. J'ai un jardin là. Vous voyez, quand je passe la tondeuse coupe l'herbe à la surface. Et quand il pleut, comme il pleut beaucoup ici en Guadeloupe, et l'herbe pousse vite. Dans 2 semaines, il faut encore repasser. Mais j'ai un problème. J'ai un côté du jardin qui a des cailloux. Vous voyez, le propriétaire ou la propriétaire a mis des cailloux, caillasses. Et en dessous de ces cailloux-là, des herbes sauvages poussent. Je ne peux pas passer la tondeuse parce que la tondeuse va ramasser et les pierres et ça va gicler partout. Je suis obligé de déraciner à la main ces herbes sauvages. Voyez. La sanctification du Saint-Esprit, c'est le déracinement du mal. Alors que la sanctification de l'homme, c'est on coupe ce qui est apparent. On coupe les choses à la surface. Un exemple. J'aime la femme de mon prochain. Je la convoite au fond de mon cœur, mais je résiste. Je suis apparemment dans la sainteté, mais dans mon cœur, il y a la convoitise. Mais le Saint-Esprit va venir. Il ne va pas seulement enlever, m'empêcher de pécher, mais il va déraciner la convoitise. Voilà pourquoi on a besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse brûler tout ce qui a du mal en nous. La vraie sainteté, c'est avoir les dégoûts du péché. Que le péché, vous voyez, est-ce que vous êtes tenté de manger l'excrément? Non, parce que c'est dégoûtant, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui n'aime pas l'alcool. L'alcool est dégoûtant pour lui, mais cette personne ne sera jamais ivre. Parce que c'est dégoûtant. Mais quand vous avez le goût de l'alcool n'est plus dégoûtant pour votre langue, vous n'êtes pas obligé d'être ivre, obligatoirement. Mais vous avez des probabilités un jour, en cas de dépression ou d'inquiétude, de vous enivrer. Donc, lorsque nous prenons conscience que sans Jésus, on ne peut rien, on devient un homme et une femme de prière. Première chose. Deuxième chose, lorsque on est amoureux de Dieu. Là, c'est dépendance du Saint-Esprit parce que j'ai besoin de lui. Mais pour adorer, pour passer du temps dans l'adoration, il faut être amoureux de Dieu. Il faut être amoureux de Dieu. Il faut être aussi reconnaissant. La prière des actions de grâce, c'est la reconnaissance. Mais je constatais qu'il y a très peu d'actions de grâce dans nos prières personnelles. Les chrétiens, nous faisons très peu d'actions de grâce. Vous voyez, vous êtes encore vivant là. C'est un miracle de Dieu. Est-ce que vous savez seulement qu'il y en a qui n'ont pas pu se réveiller? Vous voyez, il y en a qui ont eu des AVC. Des fois, nous ne nous rendons pas compte de ce que Dieu nous donne. Croyez-moi, moi un jour j'étais hospitalisé, j'avais eu la gastro. J'ai fait une semaine à vomir à l'hôpital au CHU. Et bien aimé, tout ce que je mangeais, ça ressortait. Et mais le jour où je suis rentré chez moi à la maison et que j'étais guéri, la première fois que j'ai pris un bout de pain,
Croyez-moi, j'ai tellement remercié Dieu. Je vous dis, j'ai tellement remercié Dieu, mais j'ai pris conscience du privilège que c'était de pouvoir seulement manger, de pouvoir seulement marcher. Des fois, nous sommes toujours prêts à nous plaindre de ce qu'on nous fait, de ce qu'on nous dit. On est toujours prêts à parler de ce que le diable nous a fait. Oh, la diablotérie, c'est des gens qui parlent tout le temps du diable. Le diable m'a fait ça, le diable m'a bloqué l'épaule, le diable m'a bloqué les pieds, le diable m'a empêché de... Les diablotins, les chrétiens sont devenus des diablotins. Diablotérie, vous parlez tout le temps du diable. On dirait que vous n'avez pas des anges autour de vous. Vous voyez toujours que les démons... Aujourd'hui, les chrétiens ne voient que tout le temps des démons, le diable dans la maison, sur la tête, dans la voiture, dans le congélateur, dans la nourriture, dans les cabris. Le diable est partout. Mais si vous lisez les actes des apôtres, vous allez voir Pierre qui voit des anges, Corneille qui voit des anges, Paul qui voit des anges, hein, n'est-ce pas? Il est temps qu'on voit des anges. Mais on parlait toujours du diable, on m'a fait ça, là-haut. Alors là, bien-aimé, je suis africain d'origine, ma mère est africaine, de Kasaï oriental, Chiling, sous-région Chiling, village Chiling. Nous sommes les Bwaka Kalonji. Et mon père est Mumbala, métis Mumbala, Calteron Mumbala. Vous voyez? Donc je ne peux pas avoir un mépris pour ma race et mes origines. Mais j'ai dit l'évangile à l'africaine, c'est toujours Bandoki. Mais c'est terrible, vous parlez. C'est-à-dire que le monde, les chrétiens africains, nous sommes... Nos prières, tout tourne autour des sorciers. Bandoki, Lendoki nous ont bloqué, Lendoki. C'est pas normal que vous avez, il y en a même qui vivent dans la peur des sorciers. Un monde magico-religieux, Ndoki. C'est pas normal. Vous devez parler plus de Jésus. Je suis allé au Congo, à Kinshasa. J'ai dit, je vais écouter un peu des chaînes chrétiennes. Première chaîne, Bandoki, les sorciers. Bandoki, Ndoki, ça veut dire sorcier. Deuxième chaîne chrétienne. Ah, les Ndoki t'ont bloqué. Les sorciers t'ont bloqué. Les sorciers ont volé ton étoile. Mais ces gens-là ne parlent que des sorciers. J'éteins la télé. Si les pasteurs m'écoutent, mes frères, je parle spécialement aux pasteurs africains. Ne centrez pas l'évangile sur la sorcellerie. Vous parlez tout le temps des sorcelleries, Bandoki. Non. Nous devons être des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs, des gens qui sont amoureux de Dieu. Voyez-moi là, je prie. J'adore. Ce matin, j'ai adoré. C'est vrai que la sorcellerie existe. Mais ce n'est pas le centre de ma prière. Voyez, David a dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter dans le parvis de l'Éternel pour contempler sa gloire et sa magnificence. Pas pour chasser les démons, pas pour chasser les sorciers, pas pour faire la guerre spirituelle. Nous devons contempler Dieu. Vous voyez, le niveau de l'adoration suprême, c'est la contemplation. Seigneur, je t'aime mon Jésus, je t'aime plus que tout, Seigneur. Apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à te servir, prends le centre de ma vie. Oh, je t'adore Jésus, viens adorer. Peuple racheté, toutes les nations, venez les louer, adorez Jésus, notre Rédempteur, il est précieux, roi
des gloires. La 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 la. Alléluia. Dis Seigneur, fais de moi un adorateur. Dieu a fait de nous un royaume des adorateurs. Voyez, aujourd'hui, quand nous adorons dans nos églises, il y en a qui ont sommeil. Quand vous commencez à adorer, les gens qui sont charnels n'aiment pas l'adoration. Des fois, tu vas dans le milieu où des chrétiens prient. C'est bruyant. Les tam-tam, pou, pou. Je ne suis pas contre les tam-tam. Mais quand les tam-tam est plus fort même que la voix des gens, c'est du bruit. C'est du vacarme. Les gens, la kidar, oui, 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 oui. Oh my God, la kidar. J'ai été dans une église dominicaine à Saint-Domingue. Maman, 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 quel bruit. Voyez, on peut faire du bruit, de l'ambiance, on peut crier, mais sans que Dieu soit là. L'adoration, c'est douceur, douceur. L'adoration, ça demande la concentration. L'adoration, ça demande des chants appropriés, voyez. Roi des rois, Seigneur des seigneurs et gloire. Ça, c'est pas l'adoration. Ça, c'est la louange. Mais l'adoration, c'est... La louange, c'est glorifier Dieu pour ce qu'il fait. C'est ça, la louange. Louer Dieu. Éloger Dieu. Célébrer Dieu pour ce qu'il fait. Mais l'adoration... C'est célébrer Dieu pour ce qu'il est. À un niveau suprême, c'est contempler Dieu. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus adorer Dieu. Trop de bruit dans l'église, trop de bruit. Trop de bruit, trop de bruit, parce qu'ils ne savent plus adorer Dieu. Et je me rappelle quand moi j'étais plus jeune, quand j'allais au culte, on dansait le soukous africain, on sautait, on transpirait. Et après, on disait, ah, aujourd'hui, il y avait le feu, hein, il y avait le feu. Mais aucun démon n'a été chassé, aucun malade n'a été guéri, mais on a transpiré, ça, c'est pas le feu. Lorsque le véritable feu est là, on n'a pas besoin de transpirer, mais les démons s'en vont. Les maladies disparaissent, les guérisons, la présence de Dieu. Les gens sont convaincus de péché. Oh, mes amis, on confond beaucoup l'adoration et l'échauffement. Et l'ambiance, voyez. L'ambiance qu'il y a dans les boîtes de nuit, on les transpose dans l'église. Et on danse, on transpire, on saute. Hey, Paboula, hey, Paboula, hey, Paboula. On transpire, on danse, on a une certaine joie, un certain bien-être, voyez. Et c'est bien, Dieu n'est pas contre ça, il faut que notre corps aussi danse pour l'éternel. Mais ce n'est pas ça l'adoration. Il y a un moment donné, quand vous rentrez dans la présence de Dieu, mes amis, écoutez, quand vous arrivez à amener l'église, ou quand vous-même dans votre chambre secrète, vous arrivez à entrer dans la présence de Dieu comme nous l'avons vu. C'est comme un nageur ou qui entre dans l'eau profonde, qui plonge dans la mer. Il n'est plus à la plage, vous voyez. C'est pas comme ces touristes qui restent à la plage en train de se bronzer. Ils ne connaissent pas. Non, tu quittes la plage et tu plonges dans l'eau. Tu sens la température de l'eau. Quand vous plongez dans l'esprit, dans l'adoration, c'est inimaginable ce que Dieu peut faire. C'est l'une des raisons pour laquelle vous allez constater que le diable attaque beaucoup les églises, les chantres. Vous n'avez pas remarqué ça? Que le diable attaque beaucoup les chantres. Les chantres sont devenus très, très charnels. Non pas parce qu'ils sont plus charnels que les autres, mais parce que le diable, il y a deux personnes que le diable attaque beaucoup. D'abord, celui qui apporte la parole et celui qui fait l'adoration. Parce qu'une bonne adoration dans une église,
amène les gens dans la présence de Dieu, fait descendre la gloire de Dieu. Vous voyez, des guérisons s'opèrent toutes seules, les délivrances s'opèrent toutes seules. Et le diable le sait très bien parce que lui-même, il était un adorateur, il était un chantre, chérubin protecteur, il était un chantre dans le trône de Dieu, vous voyez. Il sait qu'est-ce que c'est. Alors, il veut vous distraire. Vous n'avez pas remarqué que la plupart des grands chanteurs noirs américains ont été des chantres que le diable a détourné. Michael Jackson a commencé dans l'église, le diable l'a détourné. Houston, hein? Whitney Houston était chanteur dans l'église, le diable l'a détourné. La plupart des grands chanteurs, même ce blond-là qui a créé le rock and roll, il faisait le gospel. La plupart des grandes stars ou noirs américains ou connus, ils ont commencé dans l'église et le diable les a détournés. Le diable sait qu'est-ce que c'est que l'adoration, voyez. Une adoration bien faite, sans fausses notes, sans des voix qui vont dans tous les sens. C'est bien que les voix soient harmonieuses, les instruments bien appropriés, pas trop de bruit, pas trop de tintamarre, pas trop de désordre, pas la batterie bien appropriée. Vous voyez, quand les choses sont tellement bien faites, l'harmonie musicale permet une perméabilité de l'âme, réceptivité de l'âme, une bonne adoration, my God. Vous allez vivre un bon culte. Alors pour cela, le diable essaie de rendre les chantres, les musiciens nerveux, les musiciens distraits. Vous voyez, il y en a qui jouent la guitare, il est en train de chiquer. Ils rigolent, ils sont tellement charnels. Vous voyez, le diable les distrait. Et l'erreur de beaucoup de chantres, ils s'appuient sur les talents au lieu de s'appuyer sur le Saint-Esprit. Donc, l'adoration, nous devons prier parce que nous sommes amoureux de Dieu, parce que nous voulons contempler sa gloire et sa magnificence. Amen. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Pam, 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 pam. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Viens adorer le Seigneur. Vous allez voir même dans les réseaux, quand vous commencez à adorer, combien de chrétiens se déconnectent. Votre visibilité baisse, je vous dis la vérité. Et vous savez que je ne mens pas. Quand vous commencez à adorer, voyez, quand nous prions, voyez, quand je prêche, les gens sont connectés. Les gens veulent connaître, connaître. Vous voulez connaître, vous ne cherchez pas la présence de Dieu. La connaissance enorgueille. Mais quand on commence à adorer, à prier, vous allez voir le nombre de gens qui se déconnectent. Les gens n'aiment plus la prière parce qu'ils sont charnels. Nous devons prier aussi parce que nous sommes dans un combat spirituel. Ce n'est pas la raison principale, mais c'est une des réalités. Nous sommes dans un combat spirituel. Vous avez vu le cheval de l'Apocalypse avec Macron. Voilà. La cérémonie de l'ouverture de Jeux olympiques n'était qu'une séance occulte pour le monde. D'ailleurs, on a vu une vidéo où Macron dit la bête arrive. Le cheval là que vous voyez qui est en train de marcher sur les eaux. Mais c'est le cheval de l'Apocalypse. Ils étaient en train d'envoûter les gens, d'envoûter et même de blasphémer. Et c'était en train... Il y a une dame qui m'a dit, écoutez bien, il y a une dame qui m'a dit, je ne vante rien. Je vous parle devant le Saint-Esprit. Il m'a dit, Bishop Eli, depuis que j'ai vu le film de la cérémonie de Jeux olympiques, j'ai vu cet homme-là tout nu sur une table, comme si c'était Jésus. J'ai des pensées impures. Ça ne me quitte pas. La nuit, j'ai des visitations. Vous comprenez? Une dame m'a dit ça. Peut-être qu'elle me suit. Ne te gêne pas, je n'ai pas cité ton nom. Depuis qu'elle a vu, voyez, elle a vu cette séance, voyez. Et vous savez, il y a des démons qu'on vous communique. Il y a des scènes, quand vous le regardez,
quand vous n'êtes pas couvert par le sang de Jésus, ça pénètre en vous, vous faites envoûter et posséder. Les réalités spirituelles existent. Regardez, peuple d'Adi, vous allez dire que c'est un vicieux. C'est un vicieux pour les ignorants. Pour moi, ce n'est pas un vicieux. C'est un sataniste. Jay-Z, Beyoncé, quand vous dites que Jay-Z, Beyoncé, toutes ces femmes-là, ils ont fait des pactes avec Satan. Ils ont des pactes, ils ont fait des pratiques au lit. Ils sont tous envoûtés. Regardez toutes ces stars-là. Voyez, Justine Berber, maintenant, il est devenu chrétien. Ça va l'aider, gloire à Dieu. Mais d'autres sont là-dedans. Ils sont nombreux. Et pire, même des pasteurs sont dedans. Nous sommes dans un monde où vous marchez avec Dieu, où vous êtes avec Satan. Il n'y a que deux armées. L'armée de Dieu et l'armée du diable. Il y a encore des gens ignorants qui pensent que Poutine et Zelensky sont en guerre, où Joe Biden et Poutine se détestent. Non, la nuit, ils sont ensemble. La nuit, ils sont ensemble. Ce qu'ils font en Ukraine, là, c'est du sacrifice des sangs. Leur père, le diable, a besoin du sang pour faire tourner son royaume. Ça peut vous paraître bizarre, hein? C'est une vision bipolaire du monde. Ça peut vous paraître bizarre, mais je vous dis, et ça n'existe pas, l'Occident, l'Orient. Jésus a dit, Satan, un royaume divisé contre lui-même, ne peut pas subsister. Tous ces gens-là, ce sont des satanistes. Ils sont ensemble, ils se retrouvent ensemble, Poutine, Joe Biden, ils sont là ensemble, Macron, et puis ils boivent le champagne, et puis ils disent voilà, on va continuer quelques sacrifices à notre père le diable, et vous entendez les bombes qui tombent au Congo là. Mais ce sont des gens qui ont sacrifié au diable, ils ne viendront pas se battre là-bas, même le casque bleu, on tue les gens et les regardent. Ce sont des sacrifices. Le monde magico-religieux existe. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit une chose. Les démons que tu ne lis pas dans ta famille, dans ta vie, tu leur autorises de te nuire. Suis bien. Ce que tu ne lis pas n'est pas lié. Ce que tu lis est lié. Dès que vous comprenez cela, enfant de Dieu, vous allez prier et prier, vous allez lier et lier. Et il faut lier avec précision. Moi, je lis avec précision. Écoute-moi bien. Ce que vous demandez, vous recevez. Ce que vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. On a vu l'histoire de la vision d'Ézéchiel. Voyez. L'armée d'Israël était en train de tomber en défaillance. Alors, Dieu a voulu réveiller la conscience d'Ézéchiel pour lui faire comprendre son manquement. Alors, Dieu a donné une vision. Il a enlevé Ézéchiel en esprit. Il lui a montré des ossements desséchés pour lui montrer comment était l'état spirituel de l'armée d'Israël. Voyez, Dieu a montré Ézéchiel. Ézéchiel, est-ce que cette armée peut revivre? C'est bien de critiquer. C'est bien de se plaindre, mais est-ce que cette armée peut revivre, voyez? C'est bien de critiquer ton pasteur, c'est bien de critiquer ton église, c'est bien de critiquer un tel, ah les hommes, ah les gens. C'est bien, mais Dieu te pose la question, est-ce qu'ils peuvent revivre? Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui et Dieu lui donnera la vie. Dieu pose à Ézéchiel, est-ce que cette armée peut revivre? C'est bien de pleurer, de parler, de critiquer, de murmurer. Ma question est, est-ce que ça peut revivre? Ézéchiel dit, mais Seigneur, tu le sais. Dieu le Tout-Puissant. Et c'est ça un peu la question qu'on dit. On a un Dieu Tout-Puissant, mais on ne croit pas à un changement. Vous avez Dieu Tout-Puissant, mais vous ne croyez pas que votre couple peut changer. Vous avez un Dieu Tout-Puissant, vous ne croyez pas que votre enfant peut être restauré. Vous avez un Dieu Tout-Puissant, mais vous êtes négatif. Je dis bien quelque part, vous avez tort de croire en Dieu. David dit, je crois, je lève mes yeux vers les montagnes, Dieu me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a créé la terre et les cieux. Est-ce que ils peuvent revivre?
Ézéchiel a dit oui. Alors Dieu va dire, mais alors qu'est-ce que tu attends? Tu as l'onction. Qu'est-ce que tu attends pour parler à l'esprit? Au lieu de parler à l'esprit, de dire esprit souffle, que ses eaux revivent, toi tu es en train de critiquer, toi tu es en train de te plaindre des odeurs, toi tu es en train de calomnier, toi tu es en train... Les chrétiens, nous sommes très souvent dans la distraction et dans les bavardages. Je dis bien les chrétiens, vous ne me comprenez pas. Nous sommes très souvent, c'est comme une sœur qui m'a dit, « Ah, je ne viens plus au culte parce qu'il y a le péché. » Est-ce que c'est biblique? Une sœur m'a dit, elle a une vision, Dieu lui a montré qu'il y a Bastère, il y a le péché et elle ne vient plus parce qu'il y a le péché. Mais est-ce que c'est biblique? Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dans ta Bible, c'est écrit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc là où il y a le péché, c'est là où il faut aller prier. Pour que la grâce puisse surabonder. C'est comme si tu me dis, tu abandonnes ta maison parce que ton fils est un voyou. Ou bien tu abandonnes ton foyer parce que ton mari boit. Quand il s'agit de ton propre foyer, tu restes toujours parce qu'il faut lutter. Voyez, c'est très important. Dieu va dire à Ézéchiel, mais prophétise. Et j'aimerais dire à un chrétien, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Ça ne change rien. Arrête de pleurer. Les pleurs, ce n'est pas la foi. Je n'ai pas vu quelqu'un faire un miracle par de pleurs. Dieu n'exauce pas les larmes. Dieu exauce la foi. Voyez. Agar pleurait, mais Dieu a écouté la voix de l'enfant. Agar pleurait, mais Dieu a écouté la voix de l'enfant. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et plante-toi au fond de la mer, s'il croit que ce qu'il dit va arriver, il le verra s'accomplir. Trop de gens perdent leur temps. Nous plairons beaucoup. Ah, je n'ai pas de chance. Ah, je n'ai pas de chance. Ah, la vie est dure. Ah, la vie est dure. Ah, les blancs sont méchants. Ah, les blancs. Ah, les noirs. Ah, les arabes. On devient raciste. On a des préjugés globaux. Globaliste, mondialiste, mais prophétise. Prends ton temps, déclare au nom de Jésus. Je réclame la France à Jésus. Au nom de Jésus, je proclame, esprit souffle, que l'esprit d'incrédulité quitte le cœur des Français. Nous ne voulons pas que l'évangile à Paris soit l'évangile des noirs, des afros. Regardez bien nos églises, il n'y a que des blacks, n'est-ce pas? Vous allez dans toutes vos églises, la grande de vos méga-churches, c'est à 95% que des blacks. Est-ce que c'est ça la vision de l'évangile? Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Christ est roi des nations. Il faut que dans nos églises, qu'il y ait des arabes, qu'il y ait des blancs, qu'il y ait des indiens, qu'il y ait des chinois. Christ est le roi des nations, voyez? Nous devons prier pour gagner la France à Jésus. Voyez, nous ne devons pas nous contenter et tomber dans cette vision tribale et réduite et abrutissante. Église africaine, église antillaise. Et non, nous, Seigneur, nous voulons gagner. Nous voulons gagner. Nous prophétisons qu'un vent de réveil, que l'Esprit souffle en France, dans les réseaux, dans les télés, que l'Esprit de Dieu souffle, que les Français soient touchés par la puissance de Dieu. Saint-Esprit agit, nous réclamons la France en toi. Pour toi, nous réclamons la France. Merci Jenny. Guayacide, Eugène Belize. Si ce message vous touche, cliquez sur le j'aime sur TikTok. Tapez j'aime sur TikTok. Tapez sur j'aime. Ne me regardez pas comme des aveugles. Tapez sur j'aime. Ça permet d'augmenter la visibilité de notre direct. Donc, c'est des réalités. Le Saint-Esprit a plani. Moi, j'ai dit, la prière matinale permet d'aplanir la journée.
quand très tôt matin, vous liez les démons de colère, les démons d'accident, les démons de crise cardiaque, les démons, la puissance des ténèbres, au nom de Jésus, tout démon, tout esprit mauvais qui vient pour bloquer ma journée, détruire ma journée. Je réclame le sang de Jésus-Christ sur tous mes enfants, sur mes fils, mon fils. Je réclame tout esprit de violence, tout plan de l'ennemi contre sa santé, sa vie est brisée. Quand vous prenez autorité le matin, c'est comme si vous êtes en train d'aplanir votre journée. Et vous allez vivre une journée extraordinaire. C'est-à-dire que les démons seront déjà liés avant même d'entrer en action. Vous n'aurez pas à combattre. C'est-à-dire que vous les avez déjà liés la nuit. Et le jour, ils ne pourront même pas. Voyez, regardez. Jésus s'est isolé. Il a commencé à prier toute la nuit. Les disciples ont pris la barque, ils ont commencé à traverser la mer. La tempête s'est soulevée. Mais Jésus marchait sur l'eau. Jésus a calmé la tempête. Pourquoi? Parce que la nuit, il avait déjà vaincu les démons. Les problèmes qui nous arrivent, nous ne lions pas les démons. Il faut lier l'homme fort, les démons qui dominent la Guadeloupe, les démons qui dominent le Congo, les esprits de génocide dans cette région des Kivu, au Rwanda, nous les lions, nous les brisons. La haine anti-Tutsi est une haine à briser dans le cœur des chrétiens congolais. Le tribalisme et les Katangais qui n'aiment pas les Baluba, nous prenons autorité sur cette haine-là. Voilà. La xénophobie en France qui commence à augmenter. Nous lions la haine des étrangers. Il est écrit, tu feras bon accueil aux étrangers. Nous les lions au nom de Jésus. La haine d'Israël dans le cœur de la France est soumise. Nous les lions. Le peuple juif est un peuple béni. Oh oui. Voilà, nous devons prier avec précision. Et dites-vous toujours, ce que vous liez est lié. Les démons que vous liez très tôt matin, ils sont mis en dehors du combat. Ils sont plus capables de vous nuire. Et après, un autre aspect de la prière, c'est l'intercession. Intercéder, nous sommes des intercesseurs. Tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs, un sacrificateur et avant tout un intercesseur. Amen. Jésus, tout son temps, il priait, mes amis. Et l'une des raisons encore pour laquelle il faut prier, c'est pour ne pas être vaincu dans la tentation. Voyez, si vous ne priez pas, vous allez tomber dans le péché. Je vous donnerai un exemple. Moi, il m'est arrivé d'être vaincu par le péché. Alléluia. Mais j'ai mis ma foi en Dieu. Et Dieu m'a protégé. Voyez, personne ne peut tenir par sa force. Personne ne peut... Écoutez-moi bien, vous pouvez être aussi volontiers que vous êtes. Si Dieu ne vous protège pas, vous ne tiendrez pas. Le diable est plus fort que vous. Alors, quand on dit « ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas être vaincu dans la tentation », c'est quelque part nous reconnaissons que nous pourrons vaincre le péché seulement par la grâce de Dieu. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il faut prier. « Seigneur, mets en moi les dégoûts du péché. Seigneur, mets en moi la haine du péché. Seigneur, mets en moi l'amour de ton nom. Attire-moi à toi. Apprends-moi à t'aimer. » Voilà pourquoi vous devez prier. Voilà pourquoi vous devez dire « Saint-Esprit, fais de moi un homme et une femme de prière. » J'aimerais simplement vous encourager à prier. Quand vous priez, même quand vous ne voyez aucun changement, vous ne sentez aucun changement, croyez simplement à la victoire de la prière. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous allez persévérer, prier, et au lieu de voir des signes favorables, parfois vous aurez des signes contraires.
Mais si vous avez la foi, vous persévérez, vous allez finir par vivre la gloire de Dieu. C'est l'une des raisons pour laquelle Jésus-Christ a donné cette parabole, la parabole du juge unique. Il a dit, la Bible dit que dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 1, Jésus-Christ leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans s'élasser. Il faut toujours prier. Même s'il n'y a aucun changement, même s'il y a le vent contraire, mais il ne faut jamais baisser les mains. Il faut prier toujours jusqu'à la victoire finale. Je crois que tout est possible à celui qui croit. Et celui qui croit, c'est celui qui prie. Et si à la porte je frappe, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jesus Christ love you, my brother. Open your heart. Tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Jesus loves you, Jesus loves you. Jesus loves you, Jesus loves you, ooh, ooh, Jesus loves you. Yes, Christ te ama.